Je pense que je n'ai jamais vécu d'émotion pareille de toute ma vie de supporter. J'ai déjà vécu des victoires, de célébrer des trucs de fou dans le foot. Mais ce que je viens de vivre aujourd'hui, je vois, j'en perds ma voix, j'ai plus de voix là. Mais je m'en fous, je suis content. J'ai passé une journée de fou. Une journée de fou, les amis. Les images parlent d'elles-mêmes. Alors, moi... J'ai une question à poser, j'ai une question, je pense que tout le monde se la pose cette question, les gens ils pensent tout bas. Et moi je vais la poser, puisque les gens ne veulent pas le dire. Qu'est-ce qui empêche la Guinée aujourd'hui de gagner la Coupe du Monde? Je pose la question. Qu'est-ce que la Guinée a de moins que le Prime Brésil? Que l'Argentine aujourd'hui? C'est du même niveau. Qu'est-ce que Momo Bayo a envié à Ronaldo Nazario? Qu'est-ce que Diakité a envié à Cafu Prime? Je pose ces questions-là. Si vous avez la réponse, dites-le moi en commentaire. Mais moi, je me pose ces questions-là parce que aujourd'hui, la Guinée, je suis désolé, on n'est plus des petits. Là, on est passé dans la cour des grands. Là, on va gagner la CAN. Moi, je vous le dis, si on ne gagne pas la CAN, je sais que j'avais fait un gage, je l'ai perdu, je ne vais plus recommencer la chose. Comptez pas sur moi pour vous dire que je vais faire un nouveau gage. Mais voilà, la Guinée est qualifiée. Plus sérieusement, voilà, j'arrête de rigoler. Voilà, c'est fou, les amis, c'est fou. J'ai jamais vécu de ça de ma vie. Je suis à peine rentré que fallait que j'allume mon micro pour essayer de le faire. J'ai pas de connexion internet, c'est compliqué. J'attends qu'il me l'installe. C'est compliqué, mais je kiffe ça. Je kiffe ça. C'est ce que j'aime. C'est ça, là, aller croiser des gens comme ça dans la rue, prendre des gens que je ne connais pas dans mes bras, célébrer comme ça, la folie dans les rues, laisse tomber, je n'ai jamais vécu ça. Et c'est tout le peuple guinéen qui doit être, je dirais pas aux anges, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, on vise la finale de la Coupe du Monde, on s'est compris. Mais non, mais plus sérieusement, voilà, les gens dans la rue, ils n'arrêtent pas de klaxonner partout, de sortir, de crier, de célébrer, c'est ça le foot, ça rassemble. Je suis là, je parle même pas du Barça, la vidéo sur... Ne vous inquiétez pas par contre, je sais que vous attendez pour attraper ma veste, la vidéo sur le Barça elle va sortir, vous inquiétez pas. J'ai beaucoup appris mon temps pour aussi réfléchir à l'annonce de la démission de Xavi, mais ça sera dans une autre vidéo. Les gars, on est en pleine CAN. Oublions un peu le Barça. Le Barça me fatigue en ce moment, donc parlons des vraies choses, des sujets sérieux, c'est-à-dire le Sili National, s'il vous plaît. J'aimerais, pour revenir au match maintenant, j'aimerais juste parler de la résilience de cette équipe. En fait, cette victoire-là, cette qualification-là, tout ce qu'elle a fait, c'est me motiver en fait à aller de nouveau. Ça se passe au centre émetteur, là-bas, Plaza Diamant, je crois. Il y a une fan zone, c'est là-bas que j'ai vu le match. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, c'est là-bas que j'ai vu le match avec tout le monde. Donc pour la prochaine fois, ça sera là-bas aussi. Donc si vous voulez venir, ça sera avec plaisir, les gars. On sera nombreux, venez nombreux. Comme ça, on célèbre la qualification pour les demi-finales. L'Égypte joue contre le Congo actuellement. Je sais pas qui se qualifie, mais on est favori. Je le sais. Bon, ok, j'arrête de rigoler un peu, mais pour revenir au match, la réalité, c'est que vous savez, si vous êtes supporter neutre, que vous ne supportez aucune des deux équipes, sincèrement, c'était pas le match de la décennie. C'était pas un match fou furieux, sauf sur la fin, avec le carton rouge, le péno manqué. Ah, moi, je vous dis, moi, j'étais assis, il faisait chaud, mais la clim qu'on s'est mangé lorsque la Guinée avait marqué d'abord, refusé pour position de hors-jeu, on était tous là à crier, à célébrer, mais derrière le carton rouge, et puis tu concèdes un péno, là, je me disais, ça y est, là, c'est le ciel qui s'abat sur nous, on va jamais gagner, c'est pas possible, cette équipe-là, ils sont chanceux. Le mec, là, Ivan Edou, je crois, le mec qui avait les cheveux roses, là, les cheveux multicolores, lors de la dernière CAN, cette fois-ci, il a fait, je pense, une sorte de chignon, je sais pas quoi, il a attaché ses cheveux. Mais ce mec-là, on l'appelle, je sais pas si c'est le Gattuso de la Guinée équatoriale, mais qu'est-ce qu'il est lourd! Qu'est-ce qu'il m'a fatigué, lui! Je l'ai dit la dernière fois, contre la Côte d'Ivoire, un mec comme ça qui se roule par terre à chaque fois que tu le frôles, qui cherche des pénaux. Certes, il y avait pénaux sur lui, je suis totalement d'accord avec ça. Et pénaux, moi, dès que j'ai vu le premier ralenti, je savais qu'il allait siffler pénaux. Il allait voir la VAR, il y aurait pénaux. Mais le mec, il abuse à chaque fois. Rentrez-lui dedans une bonne fois pour toutes pour qu'il ait des raisons de se tenir la jambe, s'il vous plaît. Parce que là, à chaque fois, il est là à chauffer l'arbitre. Ça me rappelle là, Luis Suarez Prime. Il était insupportable. Mais quand tu l'as dans ton équipe, ça va. Il n'était pas dans mon équipe, le Edou. Mais il m'a cassé les... De notre côté, c'était un match
très fermé. Parce que pour ceux qui ont écouté au bout d'un an, il y avait Kabadiaora, le coach de la Guinée, lorsqu'il y avait la pause, le cooling break. Il disait en gros à ses joueurs, les gars, on ne s'affole pas, on ne presse pas pour rien. On garde la forme collectivement, on défend en zone, on ne va pas presser comme des fous pour laisser des espaces. C'était un round d'observation qui était très, très, très long parce que les deux équipes ne voulaient pas se livrer. La Guinée équatoriale aussi avait une possession stérile. Donc, ça jouait un peu à se regarder de loin, ça ne pressait pas trop. Chacun espérait en gros qu'une équipe, que l'équipe adverse fasse des erreurs pour en profiter. Et donc, quand t'es supporter neutre, c'est monotone. Même moi, au bout d'un moment, lors de la première mi-temps, j'ai failli, je dirais pas m'endormir, je vais pas vous mentir, mais c'était long à regarder. Mais c'est ça en fait, eux, ceux qui sont là sur le terrain, eux, ils s'en foutent de savoir si les gens sont là pour du football champagne ou quoi. Eux, ils visent une qualification en quart de finale. Donc oui, il y a un round d'observation, mais c'est comme ça. Donc il a été très long ce round d'observation, et à la fin, c'est quand ça s'est décanté avec le carton rouge, et puis derrière le péno, la Guinée, le Sili a pris les devants, ça a roulé, ça a déroulé derrière. On a eu un bon match de football, il y a eu des occasions, le Sili a raté pas mal d'occasions, moi ça me stressait de fou, je me disais mais non c'est pas possible, on va pas aller en prolongation, à 10 contre 11 on va pas aller en prolongation. Et là qui apparaît, monsieur Luis Nazario Momo Bayo, s'il vous plaît, Momo Bayo, frérot, mais dis-moi frérot, t'as retourné tout le pays là. C'est incroyable. Alors déjà, moi je trouve qu'il a été récompensé par son match parce qu'il avait offert un caviar au bout d'un moment. Il me semble que c'était à Guy Lavogui sur le côté droit en première période. Ouais, il a fait beaucoup d'efforts. Il m'a rappelé beaucoup le match de Osimhen, mais en mieux parce que là il marque. C'est lui qui délivre le pays à la fin du match. C'est-à-dire que sans ballon, il a beaucoup travaillé, il a pressé, il a harcelé les défenseurs, il avait une présence en fait. Et aussi, j'aimerais préciser quelque chose, c'est que Kabadiaora, il fait un très bon changement parce que je vous mens pas que j'avais peur que Guirassy entre à la place de Bayo. Parce que Bayo, il était dans un bon momentum, ça se voyait à des kilomètres, il se sentait que c'était son soir, il allait marquer. Donc, le sortir aurait été une mauvaise chose. Donc ce qu'il a fait, Kabadiaora, il a sorti Morgan Guilavogui, qui a fait un très bon match lors du dernier match, mais ce soir, à mon avis, il n'y était pas. Je pense qu'il aura son importance de toute façon pour la suite, c'est un très bon joueur, Morgan Guilavogui. Mais derrière, la rentrée de Guirassy aussi, elle est déterminante, parce que tu as deux mecs qui sont assez grands, qui menacent, qui présentent, je veux dire, une menace aérienne, et ça, c'est un danger constant pour les Équato-Guinéens. Donc franchement, la lecture du match de Fousseini Diawara et de Kabadiaora, elle a été magnifique, elle a été parfaite, ils n'auraient pas pu faire mieux. La rentrée de Naby Keita, je sais pas, moi vous savez, dans mes souvenirs, Naby Keita, j'avais toujours le Naby Keita de Liverpool, le mec assez technique et tout, je me disais mais pourquoi il rentre pas plus tôt, d'autant plus qu'il revient de blessure, il a joué la dernière fois, mais c'est vrai que ça se voit qu'il est pas encore dans le rythme, c'est pas le Naby Keita prime, mais dans l'utilisation du ballon, tu sens qu'il peut te créer quelque chose, et sa rentrée elle a fait du bien. J'espère que Ilex Moriba pourra être présent pour le prochain match. Si vous avez des informations d'ailleurs sur la durée de son indisponibilité, dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de le savoir, j'espère qu'il sera là pour le prochain match. Mais franchement, c'est une équipe qui ressemble à quelque chose. Je vous l'ai dit lors du match contre la Gambie que c'est une équipe qui prend forme. C'est pas la finalité, c'est pas la version finale de l'équipe. Kabadiaora a l'air de former une sorte de groupe, d'effectif, de collectif, et ça se met en place petit à petit. Là, c'est une sorte de restructuration sur du moyen terme, sur du long terme, déjà du court terme, parce que là, une qualification en quart de finale, c'est déjà très bien. Je dirais pas que la CAN est déjà d'ores et déjà réussie, mais c'est tout comme, allez, je dirais pas c'est tout comme, mais parce que, allez, disons que ça manquerait d'exigence si je dis ça en vrai. Sincèrement, non, parce que on doit aspirer à beaucoup plus. On n'est pas censé être une toute petite nation de football qui célèbre, qui se contente en gros que de quart de finale. Moi, je veux plus. Je veux plus, parce que cette équipe, elle a le potentiel de faire plus. Cette équipe, elle ne doit trembler devant personne. Tu peux battre n'importe qui sur un match, tout est possible avec la qualité des joueurs que tu as sur le banc. Il y a plein de joueurs de qualité dans cette équipe. Mention spéciale à Diakité sur le côté droit, il leur a fait une misère, mais tout le match sur son côté droit. Il a reçu des fautes, il a même failli créer un but tout seul avec ses contrôles orientés, ses accélérations sur le côté droit. Franchement, la dernière fois, j'étais dur avec lui contre la Gambie parce que pour moi, c'était une autoroute dans son dos. Mais ce soir, franchement, masterclass Diakité.
J'oublie certainement, hein, parce que Mouktar Diakabi, en fait, c'est ça, la Guinée, défensivement, c'est solide. Même s'il peut y avoir des erreurs comme sur le péno, ça peut arriver. Mais globalement, défensivement, je trouve que c'est solide. Et ce qui pourrait faire la force de cette équipe pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Parce que si tu es solide défensivement, tu as des joueurs comme Guirassy, Bayo, qui peuvent te planter des buts à tout moment. Tu as des mecs comme Morgan Gilavogui, Agibou Camara, des joueurs comme ça qui peuvent te faire des différences. Tu peux battre n'importe qui. Un match de football, hey, c'est pas des génies ou des mecs faits en or massif en face de toi. Ce sont des êtres humains. Si tu as le talent, tu es capable de faire mieux. Donc moi, à titre personnel, je ne vous dis pas que je vois naturellement la Guinée aller jusqu'à gagner la finale. Ça serait même un peu utopique de le dire. Mais on ne s'interdit rien en fait. Pourquoi est-ce qu'on s'interdirait de le penser, de rêver à ça? C'est rien d'impossible. Donc voilà. Ah oui, j'allais oublier. En fait, je suis un peu dégoûté aussi parce que vous voyez les images que je vous ai montrées. Parce que de base, ce que je comptais faire, c'est d'aller poser des questions aux gens, une sorte de micro-trottoir comme ça avant le début du match, à la mi-temps et à la fin du match pour avoir les avis des gens à chaud comme ça. Mais comme un gros goalement, ben sachez que je suis allé avec mon micro totalement déchargé. Donc il ne marchait pas. Ça servait à rien. Donc les images que j'ai, c'est juste les images de l'ambiance. Mais vous inquiétez pas, je le ferai pour la prochaine fois. Je me préparerai comme il faut et j'arriverai. Encore une fois, ça se passe au centre émetteur à Kipe, là où il y a le Plaza Diamond ou Diamant, je crois. Et il y a un grand écran là-bas. Ils l'installent pour voir les matchs de la Guinée, une sorte de fan zone. Donc la prochaine fois, les gars, venez. Pour ceux qui demandent où est-ce que je suis, où est-ce que je regarde les matchs, ben c'est là-bas. Et donc je vous attends en grand nombre, les amis. Donc merci encore pour le soutien. C'est fou, l'aventure ne fait que commencer. Cette équipe, elle a du potentiel. Je pense qu'elle ira en s'améliorant encore. Donc voilà. Prenez tout soin de vous, les amis. Et peace.